monde, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, je suis heureuse, enfin, je vais vous présenter mon nouveau projet. Donc, j'en ai parlé, mais j'ai jamais dit vraiment ce que c'était, afin de préserver mes idées. Et voilà, on y est. Là, j'ai reçu le BAT, donc le bon tiré de l'imprimerie. Et je vais enfin vous présenter ce nouveau projet. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle a? Elle a un livre dans les mains. Oui, j'ai un livre dans les mains. Et comme vous pouvez le constater, il n'a pas de sens. Au fait, c'est un livre qui va vous donner des conseils et des réponses. Mais il est particulier. Il y en a déjà sur le marché, mais pas comme celui-ci. Hein? Sur le marché, vous savez qu'on fait comme ça pour avoir une réponse. Tandis qu'ici, regardez, je vais tout à l'heure vous le montrer. Vous avez des réponses en haut et en bas. Je vais vous le montrer et vous expliquer. Alors, la particularité de ce livre, déjà là, il n'est pas pelliculé. Hein, parce que ça, c'est vraiment le bat, vous pouvez voir. Après, il sera pelliculé, donc il sera brillant comme ceci. Donc, il va être pelliculé. Alors déjà, j'ai appelé mon livre « Au livre, réponds-moi ». Et comme vous pouvez le constater, vous avez des réponses en haut et en bas et vous avez également des chiffres. Alors, quand on tourne les livres, vous voyez, il n'a pas de sens au fait. Et des deux côtés, vous allez trouver le code barre. Au fait, c'est pour pas que vous sachiez si c'est l'avant ou l'arrière. C'est vraiment fait exprès. Et au fait, vous avez des réponses en haut et en bas. Ou des conseils. Donc ça veut dire que ce livre est composé de beaucoup de pages, je sais plus combien, 300 je crois, plus de 300 pages. Ça veut dire que vous allez trouver plus de 600 possibilités de réponses. Alors comment l'utiliser? Ben, vous allez le prendre dans vos mains tout simplement. Vous allez passez votre énergie dans le livre, bien vous concentrer sur votre réponse, sur votre question. C'est important de bien vous concentrer, vraiment. Ensuite, quand vous êtes prêt, vous tournez le livre, toujours les yeux fermés dans tous les sens, comme vous voulez, à gauche, à droite. Et quand vous êtes prêt à ouvrir vos pages, vous dites « Au livre, réponds-moi » et vous posez votre doigt à gauche ou à droite. Si vous posez à gauche, vous lisez la réponse de gauche. Et si vous posez à droite, vous lisez la réponse de droite. Et là, vous avez votre réponse ou un conseil. Alors, pourquoi j'ai voulu passer à cette méthode? Parce que ça, je trouve ennuyeux. Sans vouloir dénigrer qui que ce soit. Je trouve ennuyeux. Au bout d'un moment, on sait que si on va trop là, on aura cette réponse. Tandis que là, vous ne savez vraiment pas où vous en êtes. Hein, donc, ça va être vraiment le hasard. Mais quand on réfléchit, quand on tire les cartes, on les mélange aussi. Ensuite, de la main gauche, on va tirer une carte de la main gauche. Là, c'est pareil, on mélange, toujours bien se concentrer. Vous mélangez, vous concentrez sur votre question, vous tournez ce livre. Et quand vous êtes prêt, vous dites, oh livre, réponds-moi. Et vous ouvrez votre doigt à droite ou à gauche et vous avez votre réponse ou le conseil. Il y a également des chiffres. Les chiffres, ils vont de 1 à 50. Ils peuvent vous servir à dater les événements, comme un peu la triade. Tout est expliqué comment utiliser les chiffres pour avoir un mois de l'année, ou surtout les mois de l'année. Mais bon, vous pouvez demander dans combien de jours je vais faire une rencontre ou dans combien de temps je vais trouver du travail, voilà. Et ça, c'est à vous après de ressentir si c'est en mois ou en jour. Si vous demandez les jours, le chiffre que vous tombez, c'est la même chose. Le chiffre qui est écrit en haut à l'endroit, c'est le chiffre que vous devez utiliser, pas celui du bas. Tout ce qui est à l'envers, vous ne lisez pas. Hein. C'est toujours là où vous avez mis votre doigt ou votre main, la page de gauche ou de droite, ce qui est écrit à l'endroit. De toute façon, c'est écrit à l'endroit. Si vous l'ouvrez. Mais surtout, les chiffres vont de 1 à 50. Vous pouvez également tenter votre chance au jeu de hasard. Je dois vous avouer que j'ai testé.
puisque j'avais déjà reçu un BAT la semaine passée, mais il y avait deux, trois choses qui n'allaient pas. Donc là, j'ai fait modifier. Maintenant, je suis très contente. Et j'ai testé, moi qui joue jamais au loto, je me suis dit, je teste avec le livre. Alors, j'ai rempli quatre grilles de l'euro million. Et puis, je fais, voilà, au livre, donne-moi mes numéros de chance, au livre, donne-moi les numéros qui vont sortir au loto. J'ai fait mes grilles et j'ai. Alors, tous les numéros sont sortis. Tous les numéros sont sortis, pourtant, il y en a 50. Dans mes grilles, bien sûr, pas tous dans la même case, mais par exemple, dans une case, j'en ai fait deux et j'ai trouvé les deux étoiles. Alors, comment calculer les deux étoiles? Ben, simplement, vous reprenez les chiffres que vous avez déjà tirés avec le livre, puis vous additionnez, par exemple, 23, ben, ça fait le chiffre, l'étoile 5. 72, ça fait l'étoile 9. Voilà, moi, c'est comme ça que j'ai fait. Et donc, j'ai compris que peut-être, une fois que j'ai tiré mes chiffres, il faut que je les mette peut-être ensemble. Mais j'ai gagné des petits sous. Hein. Je ne suis pas millionnaire, je ne pourrais pas m'acheter une maison. Voilà. Ou bien pour dater les événements, votre numéro de chance. Mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est que vraiment, j'ai mis des mois à l'écrire. J'ai commencé fin de l'été passé. Parce qu'il fallait faire en sorte, vous allez me dire, bon, mais il n'y a pas grand-chose d'écrit, comment elle a fait pour mettre des mois? Ben, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai essayé d'adapter les réponses ou les conseils à toutes les situations de vie, plus ou moins. Donc j'avais des périodes où d'un coup je bloquais, donc je laissais de côté le livre, des fois pendant un ou deux mois, j'ai laissé de côté parce que ça ne venait pas, ou bien parce que j'avais trop de travail, ou parce que j'avais la tête ailleurs. Donc c'est pour ça que j'ai mis tout ce temps. Donc il sera bientôt disponible sur Amazon. Au prix, ah le prix, vous savez que je suis en auto-édition, de 18,50 €. Allez, ça va, 18,50 € pour une auto-édition. C'est à la portée de tout le monde, à 18,50 € dans la poche, pour se faire plaisir, et puis pour avoir des réponses au quotidien. Alors, je l'ai fait en petit format. Comme ça, regardez, il n'est pas beaucoup, ça, un livre de poche finalement. Je l'ai fait en petit format. Afin que vous puissiez le mettre dans votre sac à main, tout simplement. Vous pouvez le transporter partout. Et je vous dis, le week-end passé avec ma fille, on n'a pas arrêté, même à la piscine, on avait tout le temps ce livre. Alors ma fille, elle était drôle parce que elle lui faisait des bisous, elle faisait comme ça l'imbibait de ses énergies, donc c'était drôle. Et sincèrement, ça marche assez bien. Il faut toujours adapter la réponse à votre situation. Voilà. Et vraiment la réponse ou le conseil, parce que moi, un livre qui dit juste oui, non, peut-être jamais, tout ça va pas. Donc, il y a aussi des conseils. Et je vous assure que c'est pertinent, vraiment. Donc, voilà le livre. Je vais encore vous remonter une dernière l'intérieur du livre. Voilà. Donc, je vous le remonte encore une fois. Donc, le livre s'appelle Au livre, réponds-moi. Comme vous pouvez voir, il n'a pas de sens. Hein, il est envers en droit. Vous avez l'introduction d'un côté, mais vous avez également l'introduction. C'est surtout expliquer comment l'utiliser de l'autre côté, afin que vous sachiez jamais où vous en êtes. C'est vraiment fait exprès. Et dedans, voilà, vous avez vraiment. Voilà, c'est comme ça, vous voyez, un chiffre à l'endroit, un chiffre à l'envers. Donc, si vous êtes de l'autre côté, ben, vous prenez à gauche ou à droite. Voilà. Donc, n'oubliez pas, il va être laqué brillant. Hein, parce que c'est marqué ici brillant. Donc, tout bientôt sur Amazon au prix de 18,50 € afin qu'il vous accompagne dans votre quotidien. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt.